Bien, merci beaucoup pour cette introduction. J'ai effectivement la lourde charge de vous réveiller. En même temps qu'on ne fait pas très beau dehors, c'est une vraie incitation à essayer d'écouter ce que je vais raconter, qui est parfois un peu technique. Et donc, je vais essayer d'en faire une présentation relativement la plus simple possible, non pas au mauvais sens du terme, mais juste pour comprendre vraiment ce qu'il y a derrière toutes ces méthodologies qui sont vraiment pas toujours simples à comprendre. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est parler des méthodes de benchmarking, c'est-à-dire finalement comment est-ce qu'on évalue la performance relative des opérateurs privés. Donc ça s'applique à la fois au rail, ça s'applique à l'électricité, ça s'applique au transport urbain, à plein de secteurs différents. Et donc l'idée, c'est vraiment ça, de vous donner quelques vues sur finalement qu'est-ce qui est à l'œuvre derrière ces études. Et on a à côté de moi, et je suis tout petit à côté de lui, un des grands représentants de ces études, en particulier dans le rail, en la personne d'Andrew Smith. Donc le plan très classique, très, très scolaire, on va dire, une introduction pour présenter un peu le cadre dans lequel je vais me présenter. On va faire cette présentation. Quelques éléments sur comment est-ce qu'on mesure concrètement la performance relative dans les études économiques, économétriques. Quelles sont finalement la rationalité derrière tout ça. On traitera enfin de la mise en œuvre pratique des méthodes de benchmarking. Donc là, il y a deux choses. Il y a un, comment les académiques dans notre stratosphère traitent de ces questions et comment est-ce qu'ils essaient de contribuer à ces questions-là. Et il y a tout un deuxième plan qui est finalement comment est-ce que les régulateurs en pratique mettent en œuvre ces méthodes de benchmarking. C'est deux choses différentes et on essaie de les réconcilier au mieux, mais on voit qu'il y a vraiment des écarts entre les deux façons de faire. Et je terminerai par quelques mots conclusifs qui tiennent principalement à cette idée que les méthodes économétriques de benchmarking, c'est très bien, c'est très rigoureux, mais il y a un certain nombre de limites qu'il faut avoir en tête. Et qu'en aucun cas, comme ça a déjà été dit avant, il faut les appliquer de façon immédiate et de façon un petit peu brutale à un opérateur régulé. Donc voilà, donc en introduction, j'aimerais rappeler un peu, et je vais le faire beaucoup moins bien que ce qu'a fait Martin Cave, c'est clair, mais un autre grand nom de la régulation incitative, qui s'appelle Paul Josko, et qu'en fait, qui nous dit qu'il y a quatre objectifs derrière la régulation incitative. Je ne vais pas tout relire, mais juste rapidement. Donc, il y a un premier plan qui est inciter l'entreprise régulée à produire de façon efficiente. Ça, c'est un premier aspect. Un deuxième qui est fournir des incitations financières à tirer des capitaux pour investir efficacement dans le secteur. C'est un point qui est assez central. Troisièmement, faire bénéficier les consommateurs de gains d'efficacité. Donc là, on pense évidemment à dire qu'il n'y a pas évidemment que le régulé qui est important. Il y a aussi le consommateur final et l'usager de l'infrastructure. Il ne faut pas les oublier du panorama. Donc pas rester dans un simple jeu régulé-régulateur, mais bien englober l'ensemble des acteurs concernés. C'est aussi un objectif de la régulation incitative à ne pas oublier. Et enfin, fournir aux agents économiques les incitations à une utilisation efficace de l'infrastructure. Et ça, c'est une vraie grosse question qui mérite également un examen tout à fait approfondi. Dans notre cas, on va s'intéresser uniquement au premier point, c'est-à-dire comment est-ce que finalement on va inciter l'entreprise régulée à produire des biens ou à fournir des services de façon la plus efficace possible. On verra après derrière ce qu'on met derrière le terme efficacité. Ce n'est pas forcément connu de façon partagée par tout le monde. Donc, le point de départ de tous les travaux sur le benchmarking, c'est une idée simple, et qui est simple, mais qui a débouché sur des travaux académiques assez larges. C'est finalement de dire qu'il y a une asymétrie d'information entre le régulateur et le régulé. Okay. Ça veut dire simplement que entreprise régulée et régulateur ne partagent pas le même niveau d'information sur tout un tas de dimensions, sur les coûts, sur la performance, sur la productivité, sur la qualité de service. Il y a tout un tas de pans de l'activité du régulé qui n'est pas connu du régulateur, mais aussi par les autres parties prenantes. Du coup, on se dit, une solution qui est largement développée, c'est la mise au point d'un schéma incitatif, donc sortir du schéma cost plus et passer vers un schéma de type price cap, pour finalement inciter l'entreprise à révéler son information, malgré le fait qu'au départ, il y ait cette asymétrie d'information qui caractérise la relation entre l'opérateur régulé et le régulateur. Donc, pour mettre au point ce schéma incitatif, il y a une dimension qui est un peu centrale, c'est comment est-ce qu'on met au point, comment est-ce qu'on évalue l'effort de performance à demander à l'opérateur. Donc, ça a l'air facile de dire, il suffit d'inciter un opérateur via un schéma incitatif. Question qui est moins facile, c'est comment on l'incite et quels objectifs de productivité on met derrière. Comment est-ce qu'on design finalement le dispositif incitatif qui sera soumis au régulé. Donc une solution, encore une fois simple en apparence et qui avait débouché sur plein de travaux un peu compliqués, c'est simplement comparer les performances entre votre opérateur régulé et
d'autres opérateurs régulés, soit dans le même pays si c'est possible, mais dans la plupart des cas, c'est dans d'autres pays. Donc on a recours à des comparaisons internationales de performance, donc avec des critères, des méthodologies. Bien évidemment, ça pose un tas de problèmes qu'on va discuter ensuite, mais ça peut être un moyen, finalement, via cette comparaison des performances, de récupérer une partie de l'information qui n'est au départ pas connue du régulé. Donc voilà un petit peu l'objectif de tous ces travaux de benchmarking qu'on va assez largement développer. Une assise théorique et académique très très importante depuis un premier article de Schleifer en 85 qui pose le cas théorique un petit peu et l'intérêt qu'on peut avoir à faire la concurrence par comparaison entre différents opérateurs et qui nous explique qu'il y a quatre conditions assez fortes à la réussite de l'examen d'une performance relative, qui sont bien évidemment l'absence d'entente entre les opérateurs régulés, dès lors qu'ils s'entendent qu'il y a des comportements anticoncurrentiels, à l'examiner la performance relative perd un peu son sens. Donc c'est un premier préambule. Deuxièmement, assez évident, mais c'est souvent oublié finalement, il faut qu'il y ait un comparable existant, c'est-à-dire que si vous n'avez pas d'autres opérateurs à qui vous comparez, bah, finalement l'intérêt de la concurrence par comparaison est quand même limité, c'est assez relatif. Il faut qu'il y ait une structure de coûts comparable, et là c'est le principal écueil de toutes les études sur le benchmarking, c'est-à-dire faire en sorte qu'on rende deux opérateurs comparables, finalement. Deux ou trois, enfin jusqu'à autant que vous voulez, mais il y a un vrai enjeu pour les économistes à rendre des structures de coûts comparables pour que les résultats des analyses de performance relative puissent être utilisés. Dernier point, crédibilité du régulateur à ne pas renégocier en cours de contrat. Donc c'est un phénomène qui est un peu plus annexe, mais qui veut juste dire que si le régulateur n'est pas crédible dans son engagement à ne pas renégocier le schéma incitatif en cours de vie du contrat, eh bien ça se traduit par une dilution des incitations. Donc si finalement on passe beaucoup d'énergie à mettre au point un schéma incitatif compliqué, mais qu'au final il sera renégocié en cours de vie du contrat, on altère un petit peu le niveau des incitations. Donc Schleifer y voit une condition très forte finalement ces dispositifs de concurrence par comparaison. Donc, dans le panorama des économistes, on relève plusieurs utilisations possibles des méthodes de benchmarking. Une première, c'est la sunshine regulation. Ça veut dire que simplement, on publie les résultats de la concurrence par comparaison et on crée des incitations uniquement via l'effet réputation qu'on va créer en rendant ces résultats publics. Un deuxième, c'est le price cap. Donc, on va en discuter juste après. Également la concurrence par comparaison, où là, en fonction des résultats du classement, on va publier un classement, faire un classement de façon assez régulière, et en fonction des résultats de ce classement, eh bien, on donne un bonus ou un malus à l'opérateur de manière à l'inciter à augmenter son niveau de performance. Il y a plein d'autres façons d'utiliser ces résultats. Il y en a un en particulier qui est l'aide à la régulation, qui est assez développée, c'est-à-dire qu'on ne se sert pas des résultats des travaux économétriques directement dans la formule d'incitation. C'est juste un support pour le régulateur dans ses échanges avec le régulé. Donc ça peut être vraiment une base de négociation plutôt que s'en servir de façon un petit peu brutale et directe dans le design du schéma incitatif. Donc si on se concentre sur le cas du price cap, je vais dire quelque chose de très évident pour un grand nombre d'entre vous, mais grosso modo, la formule classique d'un price cap, c'est celle-ci. C'est-à-dire qu'on fixe les prix de façon exogène sur une période de régulation telle que le prix pour l'année T est égal au prix de l'année précédente, augmenté d'un indicateur d'évolution des prix. Donc ça peut être l'indice des prix à la consommation, ça peut être d'autres indicateurs faits sur mesure pour bien représenter la structure de coût de l'entreprise, moins un paramètre X. Okay. Et donc le paramètre X est précisément l'objet des méthodes de benchmarking, qu'elles soient économétriques ou pas économétriques. D'accord. Donc ma présentation aujourd'hui, ainsi que celle d'Andrew Smith, portera uniquement sur la détermination de ce paramètre X, en aucun cas sur le paramètre, l'indice de productivité, ni non plus sur la période de régulation. Donc c'est vraiment que sur ce petit sujet que portent les présentations d'aujourd'hui et sur lequel il y a beaucoup, beaucoup de travaux qui ont été réalisés. Donc une mesure clé de la performance et qu'aiment beaucoup les économistes, c'est la productivité. La productivité, très simplement, pardon pour ceux pour qui c'est très évident, mais c'est finalement le rapport entre un indicateur de volume de production. Donc ça peut être dans le cas du ferroviaire, le nombre de trains kilomètres. Dans le cas du secteur de l'énergie, c'est la quantité d'énergie qui est fournie par le gestionnaire d'infrastructure. On met ça en rapport avec le volume de facteurs de production, c'est-à-dire la quantité de travail, la quantité de capital et la quantité d'énergie qui a été consommée pour produire ce volume d'offres. Une fois que cette définition est posée, finalement, il y a trois façons d'améliorer l'efficience.
soit pour un niveau de facteur de production donné, vous augmentez le volume, soit pour un volume donné, vous réduisez les facteurs de production, soit vous faites les deux. Donc il y a pas mal de leviers possibles pour augmenter finalement la performance, l'efficience productive ou encore la productivité d'un gestionnaire. Je ne parle pas sur les façons concrètes de le mettre en œuvre, mais grosso modo, on peut s'attendre à ce qu'il y ait des effets comme ça suite à la mise au point d'un schéma incitatif. Sur ce slide, je reviendrai quelques instants sur un écueil qu'on voit très souvent, qui est de faire reposer l'analyse uniquement sur ce qu'on appelle des indicateurs de productivité partielle. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça pose plein de soucis. Je ne vais pas tous les développer. Très généralement, c'est qu'en fait, on a une batterie d'indicateurs qui nous sont fournis. Il n'y a aucun moyen de faire un classement des différents opérateurs sur la base de cette batterie d'indicateurs. Donc, ils sont très instructifs pour un tas de raisons, pour un tas de choses. Mais pour en dériver un niveau de performance relative, l'exercice est très, très périlleux. Et bien sûr, souvent, ce n'est pas possible et on n'en tire aucune conclusion. Un autre problème de ces indicateurs de performance partielle, c'est que finalement, on raisonne toutes choses égales par ailleurs. Donc on va considérer que si on compare les performances avec ces indicateurs de productivité partielle entre deux opérateurs, qu'ils ont les mêmes conditions de production, ils ont le même contexte de production, ils font face au même niveau de risque, ils font face au même schéma de régulation, ce qui en pratique ne tient absolument jamais, c'est jamais vérifié. Donc au mieux, ces indicateurs peuvent servir de première piste pour savoir dans quelle direction creuser dans le cadre d'une méthode de benchmarking plus approfondie, plus économétrique ou plus avec des outils de programmation linéaire j'en parlerai rapidement après. Donc vraiment, toutes ces méthodes de benchmarking reposent vraiment sur cette idée qu'il y a un besoin de contrôler pour tout un tas de paramètres dans l'examen des performances relatives et que le recours à ces outils de productivité partielle sont assez largement satisfaisants dans le cadre de cet exercice. Donc un outil qui est très largement utilisé pour dépasser cette contrainte, c'est ce qu'on appelle les méthodes de frontières. Donc je vais essayer de ne pas rentrer dans le jargon, mais grosso modo, il y a deux types de méthodes qui émergent, et des choses qui sont très paramétriques, d'autres qui le sont moins, etc. Je ne rentre pas dans le détail. Ce qui est important, c'est qu'il y a une diversité des méthodes qui sont utilisées. Il suffit de voir les travaux d'Andrew Smith, où il mobilise 10 méthodes différentes, etc. etc. On voit bien que voilà, il n'y a pas une seule et même méthode qui est utilisée. Et même les économistes nous racontent que finalement, dans la littérature, aucune méthode, parmi ces deux grandes catégories paramétriques, non paramétriques, ne domine réellement dans la littérature académique. On trouve une certaine prévalence de la méthode, d'une des deux méthodes dans l'utilisation qui en est faite par certains régulateurs, mais elle est assez relative et elle est due en fait à des problèmes de données. Il y a des méthodes qui sont beaucoup plus adaptées lorsqu'on a peu de données, ce qui explique. Mais ce n'est pas un problème de rigueur de méthode. Finalement, il n'y a pas de dominance à attendre de l'une ou l'autre méthode. Elles sont toutes les deux utilisées de façon assez équivalente et chacune ont leurs avantages et inconvénients. Donc très souvent, il y a des travaux qui mobilisent ces deux types de méthodes pour comparer les résultats des examens d'efficience. Très rapidement, voici ce que c'est qu'une méthode de frontière. C'est schématisé, en pratique, on ne le voit jamais. Donc en fait, sur l'abscisse, on place le volume de facteurs de production, tout simplement. Et en ordonnée, on place le volume de production, c'est-à-dire quel indicateur de volume de production on retient. Donc évidemment, tout ça peut changer suivant l'indicateur qu'on retient, suivant les facteurs de production qu'on mobilise. Mettons qu'on ait fait un choix qui soit à peu près partagé par tout le monde, etc., etc. On va s'amuser, en fait, à placer des points sur un graphe. Donc là, on a par exemple 8 cas, 8 gestionnaires d'infrastructure. Et l'économétrie nous permet de tracer une frontière de production. Donc en fait, c'est simplement la frontière des meilleures pratiques. C'est-à-dire, par exemple, pour le cas numéro 8, de se dire, si je suis en position 8, j'aurais pu, pour un même niveau de facteur de production, atteindre un volume de production plus important. Donc le dessin de cette frontière de production permet en fait aux économistes de mesurer l'inefficience, c'est-à-dire simplement l'écart à la frontière des meilleures pratiques entre la situation observée et une situation idéale où vraiment le gestionnaire d'infrastructure est très performant. D'accord ? Donc c'est toute la logique finalement de ces méthodes-là, c'est tout le temps la même chose, les différentes façons d'estimer la frontière, etc. Ça fait appel à des techniques compliquées, mais grosso modo finalement c'est la seule logique qui est derrière. C'est très intéressant parce qu'en fait le paramètre d'inefficience, donc l'écart à la frontière, les outils statistiques nous permettent de corriger en fonction des différences de caractéristiques des réseaux, en fonction de plein de paramètres, et ce qui fait qu'on est vraiment un peu, on essaie de faire en sorte que toute chose soit égale par ailleurs et qu'on ait ici que des écarts d'efficience, donc que des écarts de performance. Donc ces méthodes-là, elles sont mises en œuvre dans de nombreux secteurs, à la fois par les académiques
mais aussi en pratique par les régulateurs, donc dans l'eau, le gaz, l'électricité, le transport ferroviaire, le transport urbain. Donc il y a vraiment une diversité du recours à ces méthodes de frontières en pratique. Et un article que j'estime être un must-read pour n'importe quel régulateur, c'est un article récent d'un des spécialistes des méthodes de benchmarking, qui est Michael Polit, et qui a fait finalement un survey, qui a envoyé un questionnaire à un ensemble du régulateur, donc 48, pour connaître finalement leurs pratiques dans le secteur de l'électricité en matière de mise en œuvre de ces méthodes de benchmarking. Je vais présenter rapidement. Ce qu'on va observer généralement, c'est qu'il y a une vraie diversité des pratiques. Il n'y a aucune méthode qui domine vraiment. Et pour ça, pour un tas de raisons différentes, soit en termes d'expertise, soit parce qu'il n'y a pas assez de concurrence et pas assez de comparateurs possibles. Mais grosso modo, il fait état du fait qu'il n'y a aucune méthode finalement qui émerge de façon très ferme. Donc il a obtenu des réponses de 25 régulateurs, pas celle de la France au passage, et donc avec un mélange de questions ouvertes et fermées, dont le choix de la technique de benchmarking et le processus de mise en œuvre du benchmarking. Donc les résultats rapidement, donc il nous dit que sur les 25 opérateurs, les 25 États membres qui ont envoyé une réponse, finalement 13 régulateurs utilisent une méthode de benchmarking. Donc c'est pas quelque chose qui est anodin. La moitié des régulateurs se fondent sur un examen des performances relatives de leur gestionnaire d'infrastructure pour quelque part avoir un effet sur le design du dispositif de régulation. En termes de méthodologie, par contre, les méthodes de frontières, du fait de leur technicité, sont assez peu utilisées, puisque 4 seulement y ont recours. 7 régulateurs utilisent des facteurs environnementaux, c'est un peu plus inquiétant. Ça veut simplement dire que 7 régulateurs, quand ils font leur benchmarking, ne tiennent pas en compte les différences de contexte de production. Donc les conclusions qu'ils tirent, finalement, ça peut être un petit peu challengé. Donc voilà, d'autant plus que 5 régulateurs utilisent des comparaisons internationales. Évidemment, dès qu'on parle de comparaisons internationales, il y a énormément de paramètres qu'il faut prendre en compte, et ça rend l'analyse encore plus compliquée que dans un cadre national. Sur l'utilisation des résultats, on voit que 3 régulateurs utilisent des résultats de façon indirecte, c'est-à-dire que c'est un peu surprenant. On pourrait plutôt s'attendre à ce qu'une majorité de régulateurs utilisent des résultats du benchmarking de façon indirecte. Là, c'est l'inverse. Donc ça veut dire que finalement, il n'y a que très peu de régulateurs qui ne se servent pas directement de leur étude de benchmarking dans le design du schéma de régulation. Autrement dit, ils font leur étude de benchmarking, ils ont un classement des performances relatives, et d'une façon ou d'une autre, ce classement est pris en compte directement dans le design du dispositif de régulation, ce qui n'est pas intuitif, en fait. Il y a 6 régulateurs qui utilisent les résultats pour faire des ajustements au schéma de régulation, donc en cours de vie du dispositif de régulation. Et enfin, 9 régulateurs utilisent une période de régulation supérieure à 3 ans, donc là, ce qui est quand même assez significatif. Quelques mots sur les limites des méthodes des frontières. À titre personnel, je trouve que c'est des méthodes qui sont extrêmement rigoureuses et qui permettent d'apprécier les écarts de performance vraiment de façon très sérieuse, en contrôlant bien finalement les différences des contextes de production. Elles soulèvent néanmoins une série de limites qui convient de ne pas perdre de vue pour justement ne pas implémenter directement les résultats d'un benchmarking économétrique dans un schéma de régulation. Premièrement, elle nécessite des données très nombreuses et de qualité, sinon on n'est pas en mesure de capter vraiment les différences auxquelles font face les différents gestionnaires d'infrastructures. Donc si on n'a pas de données assez nombreuses, ça ne sert juste à rien d'essayer de faire des méthodes économétriques. Mieux vaut essayer d'avoir une analyse des performances comparées par un autre moyen. Deuxièmement, le choix de l'indicateur du volume de production. Dans le ferroviaire, on est assez bien placé pour savoir que c'est pas forcément évident de savoir ce que c'est que le volume de production d'un gestionnaire d'infrastructure dans le rail. Ça pose question, ça pose débat, et donc ça motive aussi un échange entre le régulateur et le régulé sur ce point. Troisièmement, ça repose sur tout un tas d'hypothèses, sur le paramétrage, les fonctions de coût, etc. Et comme toute hypothèse, c'est éminemment discutable et c'est toujours discuté. Donc ça c'est une autre limite de ce type de méthode. Enfin, ce sont des méthodes qui sont relativement techniques, donc ça pose problème pour la mise en œuvre. Pour les régulateurs qui ont une capacité d'expertise qui est relativement faible, ce n'est pas toujours évident pour eux de mettre au point ce genre de méthode. Une des très grosses limites, c'est qu'on mesure une performance relative. Donc on a un pool d'observation, mais si tout ce pool est à un niveau bas d'efficience, on mesure juste un écart de performance relative à un niveau bas d'efficience. On n'a aucune idée avec ce genre de méthode de quelle serait une bonne performance dans l'absolu. Donc c'est quelque chose aussi à ne pas perdre de vue dans l'utilisation qu'on peut faire
des méthodes de benchmarking économétrique. Aucune indication à partir de ces méthodes sur la façon dont on doit rattraper un écart d'efficience. On dit juste qu'il y a un écart, mettons, de 25%, mais on ne sait pas s'il convient de le faire rattraper petit à petit, de façon progressive, dégressive, aucune indication. Donc là, il y a une très grosse marge de manœuvre sur la façon dont on utilise en dynamique les résultats de ces études. Et enfin, ce sera mon dernier point avant de passer à la conclusion, c'est la robustesse des résultats. On voit qu'avec les mêmes données, les mêmes spécifications fonctionnelles, en changeant quelques petits paramètres, on obtient des résultats qui sont relativement différents. Et là, c'est pareil, c'est un argument en faveur de ne pas utiliser les résultats du benchmarking, tout aussi rigoureux soit-il, directement dans un schéma de régulation. Pour ça, je m'appuie sur une étude qui a été faite récemment par une collègue de recherche qui a fait sa thèse sur le cas de l'eau en Grande-Bretagne. Donc, ce qu'elle a fait simplement, c'est qu'elle a essayé de reproduire le travail qui était fait par le régulateur, donc en se disant j'ai accès aux mêmes données, donc je vais faire le même travail et je vais voir si le classement, varie, si donc je change un petit peu certains paramètres dans mes estimations. En quelques mots de contexte, donc on est dans la régulation de l'eau. Le régulateur, c'est l'OFOAT, qui combine, ce qui est assez intelligent de mon point de vue, un price cap et une régulation de type Sunshine, c'est-à-dire qu'on a un price cap qui est défini, et en même temps, sur le site internet du régulateur, sont publiés le résultat des classements des performances des différents opérateurs sur ce marché. On a une révision tarifaire tous les 5 ans, donc un price cap de 5 ans. Et pour son étude, il mobilise des données sur 22 opérateurs d'eau et d'assainissement entre 2002 et 2008. Donc voilà. Et maintenant, j'improvise. Pas de problème, mais... Voilà. Donc voilà ce que c'est qu'un résultat d'une méthode économétrique de frontières. Sur la colonne de gauche, vous avez toutes les 22 opérateurs donc, qui ont été sélectionnés. Et les quatre colonnes suivantes, en fait, sont quatre hypothèses différentes de spécification des fonctions de coûts dans le secteur. Chaque numéro correspond au classement de l'entreprise. Okay, et vous avez dans la colonne de droite, finalement, la différence maximale de classement qu'on observe suivant qu'on change certaines petites hypothèses. Qu'est-ce qu'on voit, c'est qu'avec les mêmes données, les mêmes contextes, les mêmes années, etc., changer une toute petite hypothèse dans le paramétrage des fonctions, ça débouche quand même sur des variations donc, qui ne sont pas très importantes, mais quand même significatives. Donc le problème derrière, c'est qu'il ne faudrait pas pénaliser un opérateur qui sous une certaine hypothèse, sort assez mauvais, puis sur une autre hypothèse, sort assez bon. Donc ça, c'est la première idée. Deuxièmement, elle a fait une étude en se disant, est-ce que j'incorpore ou pas les paramètres de qualité dans mon étude? Est-ce que dans mon examen de la performance, je prends en compte ou pas les différences qualitatives entre les opérateurs? On voit que là, les différences sont nettement plus significatives. En gros, on est incapable de déterminer si un opérateur qui est plus efficace qu'un autre. Il y a des variations, j'ai plus en tête exactement lesquelles, mais il y a des variations de 15 places, typiquement pour l'opérateur 15, Veolia, qui, selon qu'on prend ou pas les paramètres de qualité dans l'analyse, passe de la 17e place au 2e rang. Donc évidemment, si vous faites une régulation sur la base du premier classement, il va venir vous voir en disant « Non, là, ça ne va pas, il faut que vous preniez en compte les paramètres de qualité, vous verrez que je suis beaucoup plus efficace. » Ça a l'air anodin, mais ça débouche sur beaucoup de renégociations, beaucoup de discussions et beaucoup d'échanges avec chacun des opérateurs réguliers qui, bien évidemment, eux aussi, ont une expertise sur le fonctionnement de ce type de méthode. Donc tout ça pour dire que finalement, la spécification de différents tests, elle a une importance cruciale dans le classement et c'est une chose à ne pas perdre de vue lorsqu'on se sert de ces méthodes de benchmarking pour classer des opérateurs en fonction de leur performance. Quelques mots pour conclure. Donc juste rappeler qu'évidemment, il y a une diversité des méthodes d'évaluation de la performance employées en pratique par les économistes mais aussi par les régulateurs. Une question absolument cruciale, c'est l'accès aux bases de données. Donc il faut avoir des bases de données vraiment riches et de qualité, suffisamment fiables, avant de se lancer dans ces analyses qui sont assez complexes. Malgré leurs limites, et à titre personnel, je trouve que ce sont des méthodes qui sont relativement rigoureuses dans l'appréciation des performances relatives des gestionnaires d'infrastructure, mais que bien entendu il faut être très prudent dans leur utilisation. On a vu pourquoi, dès qu'on changeait quelques petits paramètres, on changeait les classements.
Et donc, j'adhère pas mal à une des conclusions d'un auteur qui s'appelle Filippini, qui a beaucoup travaillé sur ces questions, qui nous dit que sa recommandation, c'est de ne jamais utiliser les résultats d'un benchmarking de ce type-là de façon mécanique dans le design du dispositif incitatif. C'est absolument, crucial. Je rappellerai pour juste terminer sur quelques mots que, encore une fois, la détermination de ce paramètre X, le facteur X, comme on l'appelle en anglais, c'est bien entendu qu'une des questions à traiter dans le cas du design d'un schéma incitatif. Avec toutes ces études, on ne sait rien de ce que c'est qu'une période de régulation optimale. Est-ce que c'est 3, 5, 6 ans, 7 ans? Est-ce que ça dépend du régulateur? Est-ce que ça dépend de l'incertitude? Est-ce que ça dépend du schéma de régulation? On en sait assez peu finalement. Et le deuxième élément, c'est que une partie du problème tient à la façon dont on design l'indice d'évolution des prix. Donc, est-ce qu'il faut encore une fois s'appuyer sur l'IPC, l'indice des prix à la consommation, avoir recours à un autre indice qui retrace mieux l'évolution des coûts réels de l'entreprise. J'en ai terminé. Merci beaucoup.